Et voilà, comme promis, on va faire un tour du côté de Eric John, je vous l'ai dit, qui est avec moi aujourd'hui, un des meilleurs magiciens de France. Salut Eric, comment vas-tu? Bonjour Chris, comment vas-tu? Alors, on est dans un endroit magnifique, hein, la campagne Saint-Lazare du côté d'un endroit magnifique. Hein, Fort-Calquier. Près de Fort-Calquier, exactement. Et en tant que magicien, je vois que la petite mallette, il n'y a pas de secret là, on peut monter. Non, ça va. Il n'y a pas grand chose à voir là, à part des jeux de cartes. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas grand chose à cacher. Ouais. C'est surtout dans la pratique. Voilà. La pratique. Voilà. Alors, soit apparemment, tu as les briquets, tu vas nous mettre le feu. Voilà. Écoute, viens. Ça va être un peu ça. Écoute, je vais mettre le feu. Je vais essayer vraiment de les faire rêver comme j'aime faire à chaque fois. Et puis, écoute, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas de toute façon. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc là je vais pouvoir commencer à ouvrir un jeu et le chauffer les cartes parce que sinon elle glisse un peu. Voilà, c'est la grande technique donc du magicien, préparer le terrain avant la soirée en fin de compte. Hein. Voilà, c'est ça. Bon là je vais dans 5-10 minutes, je vais y aller là. Ça ne devrait tarder, mais il faut, tu vois, comme je n'ai pas d'ongle, je suis obligé de faire comme ça. Sacré couteau en tout cas. Hein. Voilà, t'as vu, ben, ça c'était mon père qui nous cherche. Hein. Et mon prénom dessus d'ailleurs. Donc celui-là j'y tiens. On était à la gueule en vacances et il m'avait acheté ça. Donc voilà, préparation du magicien avec le portefeuille. Ça c'est mon portefeuille perso, mais je le mets là parce que ça m'évite de ne pas le laisser dans ma... De toute façon, comme je ne mets jamais de veste en général, j'enlève les deux pubs qu'il y a. Bah là, il n'y en a qu'une, tu vois. Donc les pubs qu'il y a dans les cartes. Et après, la technique, chauffer les cartes pour qu'elles évitent de glisser. C'est... Comme ça, pour savoir, Eric, combien tu passes de jeux de cartes notamment dans une soirée? Alors là, ce soir, j'en ai prévu 4 pour quatre. La soirée. Voilà. 4 qui sont plus utilisables derrière. Hein. Non, c'est fini. Même si je récupère quelques cartes, moi après, oui, je vais garder des vieux paquets pour m'entraîner. Mais après, au niveau de mes soirées, non, moi j'ai toujours des paquets neufs. Déjà, c'est plus professionnel. Ouais, ça fait et puis en même temps, même pour toi, pour pas te faire choper, c'est mieux. Voilà. Voilà, parce que sinon, quand les cartes sont un peu usées, t'arrives beaucoup moins à prendre tes cartes comme ça et à les rendre magiques et toi vraiment à faire des trucs comme ça. Ah, très voilà. Fort, c'est voilà. Fort. Allez, refais dedans un petit coup, voir un petit peu. Je vais t'en faire un autre alors. Je vais essayer de la redresser parce que cette de cœur, ça te va ou... Cette de cœur, ça va, nickel. On va juste faire ça, bien, comme ça, et normalement, tu vois, si je fais juste ça. Et vous avez absolument rien vu pour les internautes qui nous suivent, voilà. Un bon petit coup de la part d'Eric John, qui est l'un des meilleurs magiciens à l'heure actuelle en France, et dont on a la chance d'avoir avec nous ce soir dans une petite soirée. Donc on verra tout à l'heure si on peut un petit peu filmer quelques coups. Et, allez. Hein. Je te laisse te préparer, Eric. Bah, écoute, je te remercie. Merci, allez. Toi aussi, et puis tout à l'heure. Allez, nous on va en profiter donc, comme je vous disais, de vous montrer un petit peu cet établissement magnifique, donc qui se trouve à quelques kilomètres de Fort-Calquier, dans les Alpes d'Haute-Provence, la campagne Saint-Lazare. Et juste histoire de vous donner un petit peu un coup d'œil, voici la salle de réception. Et pour finir, l'endroit où nos invités tout à l'heure viendront manger se trouve ici. Un billet de banque. Ce que je t'ai payé, tu veux encore des sous? Pour l'instant, tu ne m'as rien donné encore. Un billet? Super. Alors, ce que vous allez faire pour qu'il soit unique, vous allez écrire quelque chose dessus. Allez-y, ouais. Pas sur le numéro de série, hein, parce que sinon, il est plus bon. Non, c'est pas France, c'est pas des francs français. Non, c'est bon, j'en ai un. Un billet polonais? Vous voulez, hein? Plutôt là? Allez. Faut signer. Ah, vous croyez que c'est de la triche, hein? Faut signer. Bon, ben là, vous pouvez prendre le nez si j'en ai pas sur moi. Hein. Mais si vous voulez, écrivez quelque chose dessus, allez-y. Quel malheur il a, attendez, je vais vous dire combien il vaut quand même. Il vaut quoi? Il vaut rien! Il vaut rien! Ça va? Alors en fait, bon, je vais relever mes manches parce que vous voyez bien comme ça, on va pas faire grand chose. Quatre fois! Alors faut vraiment être attentif. Hein.
ça y est, il est coupé, donc. Non, je vais juste le plier pour l'instant, et ce qu'on va faire, on va juste... Et en fait, il a disparu. Il a vraiment disparu. Hein. Et ben voilà. Définitivement. Et ben voilà. Alors, pour le prochain numéro que je vais vous présenter, il faut savoir que je suis recordman depuis 7 ans et demi sur ce numéro. Et que personne n'a jamais réussi à me battre. Et je vais essayer ce soir. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Attendez, je vais juste. Excusez-moi. J'ai un petit souci. Excusez-moi. J'ai juste. En fait, je vais. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un petit souci. On va juste regarder bien. Regardez-moi, on va juste. Regardez bien, on va m'ouvrir ici. Ça, c'est trop. Juste c'est m'ouvrir ici. Voilà. Et normalement, juste là. Oh, et prenez, il y a quelque chose dedans. Non. Oh, le billet. Si, prenez-le. Non, prenez-le, prenez-le. Oh la vache. Oh, le billet. Billet. Oh, le billet. Non. Oh, le billet. Et là, il est polonais, celui-là. Il est polonais, le billet. Il est plein de citron, le billet. Bravo. Il est bien signé. Il voulait son héros à la place. Il est soudoué. Là, ça serait facile, ce serait plus de la magie. Après. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même le citron, ça fait chercher pour marcher. Alors, j'aurais besoin d'une personne qui me donne un chiffre entre 35 et 99. 45. Vous voulez pas 51 parce que je m'étais entraîné avec 51. 45. Allez. Je vais le noter ici, 45, comme ça on peut plus l'oublier. Est-ce que quelqu'un aura un chronomètre? Un quoi? Un chronomètre. Oui. Avec son portable ou... C'est bon, vous avez une trotteuse? C'est toi qui ne pique pas mon téléphone. C'est un iPhone? Ah super, alors en plus j'ai cassé le mien. Donc c'est bon. Alors comment Kimi, c'est ça. Donc Kimi, quand vous êtes prête, vous me dites, vous me comptez toutes les 5 secondes, donc 5, 10, 15, 20. Mon record est de 37 secondes et je vais essayer de le battre avec vous ce soir, d'accord? Donc Kimi, quand vous êtes prête, vous me dites top et moi je commence. Il fait quoi? À remplir mon tableau. Allez-y, comme vous voulez. C'est parti? Non, je vais voir. Ok. 4. C'est le numéro du prochain moto? 15. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'espace entre les secondes, Kimi, s'il vous plaît? 20. Un peu plus doucement, là. Parce que là, ça va un peu vite pour moi. Je suis à 25. Hein. Ah, déjà 5. Vite encore. 30. Hein. Top. C'est bon. 32. Combien? 32. 32. Eh ben, vous pouvez m'applaudir parce que j'ai battu mon record. Oh, alors là, bon. Merci. Alors, je vais passer au tour suivant. Bon, ça vous a plu, ça, ou pas? Attends, je vais peut-être vous montrer. Peut-être que je vais réussir à vous impressionner, quand même. En fait, si je prends 8 plus 11, 19, plus 1, 20, plus 25, ça fait 45. Si je fais 24 plus 2, 26, plus 19, ça fait encore 45. Si je fais 3 et 27, ça fait 30 et 15, 45. 10 et 4, 19 et 26, ça fait encore 45. Et si je prends dans ce sens-là, 8 et 3, 11 et 10, 21, plus 24, 45. Si je fais 11, 12, 13, 17, et là ça fait 45. 25 plus 16 et 4, ça fait 20. Et 25, ça fait 45. Si je fais ici 1 plus 12, ça fait 13. Plus 32, ça fait encore 45. Mais je vais essayer de faire plus fort, essayer de vous épater, pour que tout le monde puisse m'applaudir, et je vais prendre en diagonale. Si je prends 8 plus 2, ça fait 10. Et 9, 19, plus 26, 45. 10, 37, plus 8, 45. Mais si je prends le carré du milieu ici, que je fais ici, 8 plus 11, ça fait 19, 2, 21, 45. Si je prends le carré du milieu ici, ça fait 26 plus 19, 45. Si je prends ici, 27 plus 3, 30 et 15, 45. 9 et 6, 15 et 4, 19, 26. Ça fait encore 45. Mais on va essayer de faire plus fort. Je prends ici le carré du milieu, 7 et 2, 9 et 9, 18 et 27, 45. Et si je prends 8 et 1, 9 et 10, 19 et 26, 45. Merci beaucoup. Bravo. Excellent. Bon, ça vous a plu, ça? Ah ouais. Alors, j'ai vu que vous aviez un beau portable et vous allez me rejoindre. Alors, Kimi, vous venez me rejoindre. Venez avec moi avec votre portable. Et j'ai rencontré un monsieur. Tiens, venez avec moi. Vous allez,
Alors on va se mettre là, venez, voilà. C'est bon, vous avez rien sur vous? Alors, ce qu'on va faire, c'est que... C'est bon? On va prendre des portables, on va les mettre... Alors, on va mettre les portables dans les enveloppes. C'est pas l'eau, c'est le... Donc prenez les portables, vous les mettez aussi dans les enveloppes, allez-y. Et vous salez les enveloppes, de vos portables. Ah oui, c'est des cartes, hein. Fermez toutes les enveloppes. Qu'est-ce que j'ai là à faire avec mon portable là? Comment c'est votre prénom? Thierry, oui, oui. Attends pour moi. Alors, Thierry, pendant qu'avec Emmy j'aurai le dos tourné, vous allez mélanger les enveloppes. D'accord, voilà. Donc vous mélangez vraiment. N'essayez pas de chercher le portable. N'en cherchez pas votre portable. Tournez-vous. Regardez plus nous. Et vous mélangez les enveloppes, allez-y. Considéré comme perdu. On peut dire ça comme ça. C'est bon ? Donc, en fait, j'ai ramené 6 enveloppes qui sont numérotées toutes de 1 à 6. D'accord ? Et pourquoi de 1 à 6 ? Parce qu'avec moi, il y a 6 enveloppes parce que j'ai ramené un dé. Et un dé, ça va de 1 à 6. Alors, ce que vous allez faire, Thierry, Kimi, vous allez jouer le dé et vous allez énumérer à haute voix sur le chiffre sur lequel vous tombez. Allez-y, on va faire un essai. Donc là, le 1. Donc là, je vous montre la première, puis après c'est vous qui faites. Hein. Moi, je touche à rien. Vous prenez l'enveloppe qui correspond donc au chiffre du dé. D'accord ? Vous levez l'enveloppe comme ça. Allez-y. Allez-y, Kimi, je vais le dé. Allez-y, je vais le dé. Le 6. Alors, montrez que c'est bien le 6 à tout le monde. Oui. On a vite compris, hein. Allez-y, je vais le dé. Allez-y. Le 3, le 4 ou le 2. Allez-y, jouez le dé. Le 6, non, rejouez, c'est déjà tombé. Le 6 encore, rejouez. Le 5, non, encore, rejouez. Le 4, le 4, c'est bon, elle est là. Et voilà, le 4, et là. Bah, c'est facile, il gagne juste un peu. A tout de suite, mettez un coup de pied, parce qu'il n'est pas cassé là. Voilà. Allez-y, reste le 2 ou le 3. Vous pouvez juste la moto. Allez-y encore. Oui, bah, le 3. Allez, essayez de tomber au moins une fois sur le 2. Allez-y, faites-le. Le 2. Donc vous prenez l'enveloppe numéro 2. Je t'appelle pas de moi. Mettez-la en l'air. Pas la peine. Comme ça, allez-y, et vous l'ouvrez. Vous ouvrez l'enveloppe. Allez-y. Alors con, j'espère qu'on a eu beaucoup de chance. Alors, c'est vraiment un jeu. En plus, vous êtes tombé sur le deux en dernier. C'est votre portable. Super. On peut les applaudir très fort. Merci. On a eu du bon, Yves. Et à une seconde près, il va lancer cet enfoiré. Non mais attendez. Il a fait du plaisir. Ah oui, là je crois que il s'est éclaté, moi. Ah ouais, Kimi, alors, vous savez que je suis magicien, mais je suis aussi mentaliste. C'était pas fier, là. Et je vais changer un petit peu, tiens, je vais faire avec vous. Je vous mets un petit bout de papier. Vous allez penser à une personne qui n'est pas forcément présente ce soir. Imaginez un écran blanc de cinéma, imaginez son visage sur cet écran. Et imaginez le prénom de cette personne. Imaginez le, en lettres magnifiques. Il va y avoir des bagarres ce soir. C'est bon, vous avez un prénom ? Oui. Ok. Vous allez le noter en lettres majuscules sur votre bout de papier. Donc vous le dépliez, vous le cachez, vous le montrez à personne. Hein. Et vous le remettez en chef. Attends, je vais demander à... Allez, madame. Allez. Je vais vous demander de penser à un animal. Donc ne pensez pas forcément à chien, chat. Pensez plutôt au nom d'un animal. Donc Rex, Toby, ce que vous voulez, quoi. Dans le petit bout de papier, vous écrivez le nom de l'animal. Vous remettez le papier dans l'enveloppe. C'est bon. Alors moi, je ne sais pas, en tout cas. C'est bon. Caché. Hein. Vous dépliez le papier. Et après, vous scellez dans l'enveloppe. Mais vous pouvez changer, vous pouvez inventer quelque chose. Hein. Ah, alors attendez, je vais vous donner ça. Et je vais faire avec... avec le monsieur. Regardez, venez, juste pour vous. Et pareil, vous allez récupérer le stylo de la dame, parce que j'en ai plus de deux avec moi. Et vous allez me faire un dessin. Donc faites pas quelque chose de compliqué, faites-moi quelque chose d'assez simple, parce que si je fais un Van Gogh, j'arriverai pas à le refaire. Non, sur le petit bout de papier qu'il y a dans l'enveloppe. Et vous mettez le papier dans l'enveloppe, vous scellez, vous regardez qu'on voit rien à travers. Alors après, vous mettez le papier, je vais le cliché, mettez-le dans l'enveloppe. C'est vrai ? Ça vous a réchauffé ? Vous tirez la langue, comme ça, et vous collez l'enveloppe. Allez-y. C'était une blague, hein.
Oui, c'est ça en fait. Ok, donc fermez bien l'enveloppe. Regardez qu'on ne voit rien à travers. Alors, je peux récupérer un stylo ? Merci. Voici le vôtre. Non, mais gardez votre stylo. Gardez votre stylo. Merci. Oui, c'est ça en fait. Donc, on ne voit rien à travers. On va les numéroter. Donc, là, vous avez écrit le nom d'un animal dessus, c'est bon ? Il y a un petit refou de sang. Merci. C'est bien fermé, c'est bon. Et la dernière enveloppe, elle est ici, monsieur. Merci beaucoup. Ok, donc on ne voit rien à travers. Je vais les numéroter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner à madame. C'est la gardienne des enveloppes, Tony. Attention, hein. Alors je vais demander à madame de me rejoindre sur scène avec l'enveloppe donc numérotée numéro 1. Et vous pouvez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Je m'en fous. Non, mais on va venir avec. Alors mettez-vous ici. Ce que vous allez faire, vous allez faire un beau sourire, parce que c'est vous qui faites le spectacle maintenant. On peut l'applaudir très fort. Hein. On peut l'applaudir. Ce que je vous demanderais, c'est d'imaginer un écran blanc de cinéma, d'imaginer ce qu'il y a dans l'enveloppe, d'imaginer le nom de la personne que avez vu, laquelle vous avez pensé. Imaginez la première lettre, non, juste la lettre, c'est tout. Imaginez sa première lettre du prénom, imaginez le prénom en entier. Ok. Moi j'ai écrit quelque chose, je ne pourrais pas changer. Vous ne regardez pas ce que j'ai écrit, d'accord ? Regardez pas. Hein. Je vais énumérer à haute voix ce que vous avez écrit dans l'enveloppe. Une fois que ça sera fait, vous pourrez montrer à tout le monde ce que je viens d'écrire. De toute façon, je ne peux plus changer d'avis. C'est fini. Et on a mis un relâche devant. Et vous avez écrit. Voilà. Vous pouvez montrer ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est bien ça? Vous pouvez montrer à tout le monde? C'était bien ça? Adeline? C'était improbable. C'était improbable. Adeline. Super. Ok, j'ai... parce qu'en fait j'ai eu une hésitation, j'ai eu un doute hein, sur le prénom. Vous avez pas voulu changer d'un moment, non? Si, non, bah, c'est pour tout parce que j'ai hésité entre deux prénoms. Super en tout cas, merci beaucoup. Et on peut l'applaudir, hein. Merci. Tenez, je vous donne ça. Regardez avec vous. Alors, il y a une deuxième enveloppe. Donc madame, récupérez l'enveloppe numéro 2. Alors, pareil, vous allez imaginer l'animal que peut-être que vous avez possédé, vous possédez actuellement. Imaginez un écran blanc au cinéma. Imaginez la première lettre du nom de l'animal, imaginez le nom en entier, comme si les lettres s'éliminaient sur un écran de cinéma. Regardez pas ce que j'ai écrit. Je l'ai vu aussi. Je vais lire à haute voix ce que vous avez écrit dessus. Mon nom, genre, pas. Et vous avez écrit quelque chose qui va. Je pense que c'est ça, de toute façon. Vous avez écrit Enco, c'est ça? Ok, vous pouvez montrer à tout le monde ce que je viens d'écrire? Ok. Ça c'est classe. Hein. Super. Super. Merci. Alors, on peut l'applaudir très fort. Hein. Alors il y a une dernière enveloppe avec une troisième personne. Donc c'était monsieur, récupérez votre enveloppe. Alors on va faire autrement avec vous. Vous n'allez pas récupérer l'enveloppe, mais vous allez la chiffonner l'enveloppe. Chiffonner l'enveloppe. Et vous l'achetez par la banque, t'en fous. Ce que vous allez faire, vous allez. Une fois que j'ai commencé à dessiner, pensez à votre dessin. Commence à le redessiner, mais vous me regardez que je puisse pas vous voir. Hein. Et moi, une fois que vous commencez à dessiner, je commence à dessiner en même temps que vous, d'accord? Quand c'est prêt, vous me le dites. C'est bon? Il y en a qui filment derrière. Mais non, on voit pas, nous. Attendez, je me mets là. Mais vous montrez pas, vous, hein, ce que vous faites pour l'instant. Bon, je fais un truc vite fait, mais continuez à dessiner. Oui, vous avez fini, vous? Bon, je vais faire un truc vite fait, mais ok. Est-ce que vous pouvez montrer à tout le monde ce que vous avez dessiné? Non. Okay, super. Oh super. Merci. 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 Merci.
bateau. Non, non. Ça te demande s'il est là. Le bateau. Non. Ça vous plaît, ça? Ouais. Merci. Après ça, je fais la table. Alors, j'ai ramené des dictionnaires, des vrais dictionnaires. Vous pouvez regarder si c'est des vrais. Tenez, je vous laisse. Ok. Vous pouvez vérifier que c'est des vrais dicots. Vous pouvez passer derrière aussi pour faire participer un peu les personnes de derrière. Alors, chut, s'il vous plaît. Alors, j'ai ramené un jeu de cartes avec moi. Alors, il n'est pas truqué. C'est pas tout à fait des cartes ordinaires. Au lieu que ça soit, donc c'est des cartes de couleur bleue, mais au lieu que ça soit des valets et des as, en fait, ce sont des lettres. Pourquoi des lettres? D'accord? Tout simplement parce qu'en fait, avec ça, je vais écrire des mots. Ok? Alors, je vais demander à quelqu'un de. Qui c'est qui a un dictionnaire? Alors, madame, vous parlez bien français? Oui. D'accord. Alors, choisissez une page de dictionnaire. Une page. Ça commence mal, hein? Si, vous choisissez une page. C'est bon, elle est en forme. Hein. Et donc, qui a deuxième dictionnaire? Moi, mais je vois pas bien clair sans lunettes. D'accord, alors quelqu'un qui voit clair? Un dictionnaire, il faut mieux voir clair, parce que c'est petit en plus. Un jeune homme, une demoiselle. Et le livre à l'endroit, jeune homme. C'est bon? Demoiselle. Ok. Le livre à l'endroit, le livre. Quelqu'un. Alors, plutôt par là, Christophe. Merci. C'est bon? Vous avez un numéro de page? Vous êtes à quel numéro? Oui, vous pouvez me le dire, ça c'est pas, je connais pas le dictionnaire par cœur. Hein. Combien? Ah, comme chez le docteur, c'est ça? Oui, on dit 33 chez le docteur. À chaque fois, le médecin vous dit 33. Hein, ça pour mieux voir au fond de votre gorge en fait. Alors allez tous allez à la page 33, madame aussi. Et vous allez regarder. Alors on changera de ligne à chaque fois. Hein. C'est juste pour qu'il n'y ait pas 40 mots qui soient lus. Choisissez le sixième mot expliqué. Regardez le sixième mot expliqué, et une fois que vous l'avez, vous levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dur, en fait, jusqu'à 6. S'il est expliqué deux fois, vous prenez le suivant. Hein. C'est des fois le mot expliqué plusieurs fois. C'est bon? D'accord, sixième mot expliqué, vous l'avez? Alors imaginez un écran blanc de cinéma. Imaginez la première lettre du mot, imaginez la lettre, le mot en lettres majuscules. Et je vais commencer à avoir une première lettre déjà. Suivi d'une deuxième et c'est terrible, hein? Vous avez le mot entier? Oui. Vous avez le mot? Qui c'est qui a... Ok, d'accord. Je pense que je me suis trompé. Alors, hein, le O, il y est, mais c'est pas la première, en fait. C'est la première lettre, c'est le A, c'est ça? La première? A. Après, j'ai. Pensez pas à un autre mot, hein. Non, le N, N. Ok. Et j'ai un mot, hein, je vous le dis. Parce que j'ai le O à la fin, c'est ça? Angora? Oui. Angora, super, ça c'est classe, non? Alors. Merci. Alors, passez le dictionnaire à quelqu'un d'autre. Et vous avez choisi une autre page? Allez, Caroline. Alors, choisissez une page, n'importe laquelle. Non, je sais pas, j'entends Caroline. Mais... C'est bon? Vous avez un numéro de page? À quel numéro vous êtes? Alors, allez à la page 681 avec l'autre dictionnaire. C'est bon? Alors, on va reprendre le sixième mot, puis on changera après. Reprenez le sixième mot expliqué. Non, mais on va changer. C'est bon, vous l'avez? Sixième mot, mais après on changera. Page 681, le sixième mot expliqué. Vous l'avez? Ouais. Imaginez un écran blanc, surtout imaginez vos lettres s'illuminer sur l'écran.
Il y a une photo à faire là. Il faut être concentré comme la tomate. Il y en a un qui l'est. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux mots différents, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Oh, je vais essayer comme ça parce que j'ai du mal. R, la première lettre, c'est ça? Ouais. E? Ouais. Re? C'est un fromage? Reblochon? Ouais. C'est ça? Bravo. Ok, génial. Super. Allez, un petit dernier. Si de passer, on va changer de ligne. Choisissez quelqu'un d'autre. Prenez une page différente. Et après, on va passer à la table. Venons.